Salut les amis, c'est Monsieur Lourd, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Origins avec Bayek le touriste toujours en route vers Alexandrie. Pour l'instant on s'est arrêté, je crois que c'est Imoun ici, je ne sais plus, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes ici? Ouais c'est ça, le temple de Sekhmet d'Imou, voilà c'est Imou, c'est pas Imoun, c'est Imou. Du coup aujourd'hui on a dit qu'on faisait la quête du livre pour changer un petit peu. Donc on va faire cette petite quête vite fait, bien fait, pardon. Et bien sûr, pardon, excusez-moi, si jamais on découvre des trucs sympathiques pas trop loin, et ben on s'en occupera aussi. Mais là, on va aller chercher un livre, hop là, pour un monsieur apparemment qui pleure. Bonjour. As-tu vu mon livre lors de tes voyages, Medjay? Je suis allé jusqu'à Memphis pour l'acheter. Non. Comment l'as-tu perdu? Des bandits. Ils venaient des dunes voisines. Quand leur chef a vu combien je tenais à ce livre, il me l'a arraché des mains. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je peux t'aider. Je n'ai pas peur d'eux. J'ai prié pour que vienne quelqu'un comme toi. Ce livre doit me réunir à l'esprit de ma femme. Te voilà, père. Nous rentrons chez nous. Mais ce Medjay va m'aider. C'est vrai? Tu vas retrouver son livre? Si par miracle tu y parviens, merci. On va l'aider ce petit vieux là, ce vieux bougre. Tu sais où ces bandits comptaient aller? Oh, le chef a dit aux autres de le retrouver à la nécropole, je crois. Nous vivons près d'ici. Je ne rentrerai pas à la nécropole. Avant que... Père, ok, 700 mètres vers là-bas. On va y aller en cheval. Tu n'as pas besoin de lui pour retrouver. On va y aller en cheval, ouais, quand même, faut pas déconner. Je te le promets. Hop, pardon, excusez-moi, monsieur. Trouver mon livre. Ouais, 700 mètres, c'est pas la porte à côté non plus, on va y aller à cheval. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le cheval en même temps. Ah, il y a une limitation de vitesse quand t'es en ville. La monture va moins vite. Je sais pas si vous avez fait attention, là, dès qu'on est sorti de la ville, le cheval a commencé à accélérer un peu. Ah, je vais faire gaffe si c'est pas des patrouilles aussi, ça, parce que des fois on sait jamais. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Oh, les pyramides derrière là-bas, vous les voyez, c'est magnifique. On ira faire un tour un jour dessus. C'est un parc d'attractions. Ok, donc c'est ici. Ok, on a un chef là. Oula, 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 il y a du monde, il y a du monde. Calmez-vous. Il me semble qu'on avait fait le plein de fléchettes endormissantes hein, lors de l'épisode d'hier. On va se calmer. On va y aller en mode sneaky bitch. Il va pas venir ce petit con. Ah, est-ce qu'il m'a entendu? Par contre, il y a lui qui va me faire chier si je bouge. Hop, on est reparti, désolé, petite coupure. Je suis sûr que quand je vais bouger, ce petit con va se mettre à bouger. Quoi? Ah oui, voilà, ça je m'en doutais. Je m'en doutais. Tu vas crever. Je m'en doutais. Il est où le dernier Jean-Michel? Il est mort?
Ok, il y en a toujours qui dorment à l'intérieur par contre, faut que je fasse gaffe. Je m'en doutais, hein. Je m'en doutais qu'à partir du moment où j'allais bouger, il allait bouger. C'était Captain Obvious. C'était Captain Obvious. Donc lui, il est décédé par brûlure. Non, mais j'ai pas envie de le porter, faut pas déconner non plus. Oh la technique! Oh la technique! Oh la technique de Squall! La technique de Squall! Hop là! Voilà le livre des morts. Becca va être content. Maintenant, rendre son livre au vieil homme. Hop! Ça c'est fait. On se tire. Il y a rien dans le coin. Hein. Qu'on regarde. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un mec qui est mort. Il y a rien dans le coin. Donc on rentre à la maison. Jean-Michel la TPation. Hop là, Jean-Michel de la TPation, faut pas déconner. On en profite. On en profite, on va les rendre donc le petit bouquin au petit vieux, il sera content. Bon, même si je sais bien sûr la suite de la quête puisqu'on l'a déjà faite en live, la première fois qu'on a fait le jeu. Ah, je peux pas monter là? Hop là. Ouais, toujours rentrer chez les gens par la fenêtre. Salut Jacqueline. Ton père nous a quittés. Il s'est éteint, c'était son heure. Il était trop faible pour attendre ton retour. Puisse-t-il être conduit en paix? Il était désespéré à l'idée que son Ka'a ne trouve pas celui de ma mère. Où est son corps? Il n'est pas trop tard. Oh, tu es un bienfait des dieux. Il est en train de recevoir les rites dans le petit temple. Dans les petits temples. Hop là, là-bas. Hors de mon chemin! Ouais, mais calme-toi, c'est bon. Le mec, je suis à 50 mètres de lui et il est déjà en train de gueuler, s'il te plaît. À un moment donné, faut arrêter la paranoïa. Hein. Allez. Dégage le gamin. Vieil homme, ton livre. Puisse-t-il te mener à ta femme? Pauvre petit vieux. Le pauvre, il est mort. Il est décédé. Bon. Bah ça c'est fait. Ça c'est radis. Là par contre ouais. On va les augmenter. On va les augmenter. Niveau 10. Allez. On va aller augmenter nos armes. Ah quoique. Celle-ci je vais peut-être la garder du coup. Je vais pas toutes les augmenter par contre. Je pense que je vais pas toutes les augmenter. Je vais augmenter celle que je porte. Ouais, je vais augmenter celle que je porte. Du coup, hop. Forgeron. J'ai augmenté celle que je porte et puis voilà.
C'est quand même 1500, je crois. C'est quand même pas loin de 1500 pièces et je sais pas si si on récupère beaucoup 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 d'or à chaque fois, donc je voudrais pas non plus qu'on se ruine tous les 10 levels pour augmenter les armes quoi. Voilà pas moi. Oh, il pue la bière. Ah oui, désolé, hein, je suis pas sur la quête, monsieur. Alors déjà, on va vendre. Ah, j'ai rien à vendre. Très bien. Et ben, on va améliorer. Ah, j'ai 4000 pièces. 2000. What? Ah ouais, non, c'est hyper cher en fait. C'est hyper cher, Jean-Michel. Ouais, bah du coup, non. Je vais pas améliorer, et puis on changera d'arme, du coup. 2000. Ou alors, faudrait que je farme l'or, peut-être. Je sais pas s'il y a des... je crois qu'il y a des, trucs, des convois d'or aussi, hein, comme les convois de fer ou de bronze, trucs comme ça, il y a des convois d'or aussi. Bon, bah écoutez, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup, c'est pas grave. Demain, on fera une nouvelle quête. On a toujours celle-ci. On a la promesse de Bayek, je sais pas s'il y a... un cercle. Est-ce qu'on verra un cercle? Je pense que sûrement avec les points d'interrogation, il y aura peut-être un lieu avec un cercle, on verra. Parce qu'il y a des trucs qui sont complètement éloignés, à mon avis. Donc on ira, ouais. Je verrai ça. En tout cas, on va s'arrêter ici, les amis. Demain, on fera sûrement donc cette quête, la Dame du Massacre, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre sur la map. J'espère que cet épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Vous pouvez aussi aller voir les potes. Hein. Il y a des liens pour leur chaîne directe. N'hésitez pas à passer chez eux et à lâcher le petit follow. Dans la description, vous avez toutes les infos dispo pour vous. La chaîne Twitch, le lien pour acheter le jeu sur Steam, la web TV, le Discord, les réseaux sociaux. Enfin, plein de trucs. N'hésitez pas à passer dans la description et à voir ce qu'il y a. Moi, je vous dis... à demain pour la suite de Bayek, le touriste en Égypte. Salut, bye bye.